Pour rêver de Vendée Globe, il faut être solitaire dans l'âme, mais surtout bien entouré. Après 10 mois de travail, les équipes du chantier Multiplast de Vannes ont définitivement passé le relais au Gitella Team. Le Mono 60 d'Edmond Rothschild est enfin prêt à rejoindre son élément. Le dernier montage définitif, on va dire, avant la mise à l'eau. On l'a déjà monté à blanc au moins 5 ou 6 fois, mais là, ça y est. Normalement, c'est la dernière. L'aigle est le lion des armoiries Rothschild pour une exceptionnelle bête de course. Avec le Mono 60 Edmond de Rothschild, Sébastien Josse dispose d'une machine à la hauteur de ses ambitions. Un bateau parfaitement dans la lignée des Gitana, aussi beau que performant. 3 mètres encore. On avance. C'est quand même émouvant. Pour la pensée, on est parti d'une page blanche avec le Gitana Team. Donc tous les détails, tous les recoins, en tout cas toute la philosophie du bateau, elle nous correspond et elle me correspond pour le prochain Vendée Globe. Et ça, c'est vrai que là, de le voir avec un petit peu de recul, ça met un petit peu la boule à la gorge. Edmond de Rothschild aura demandé 10 000 heures d'études et 30 000 heures de chantier. Un investissement humain colossal au service d'une ambition clairement affichée. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la victoire. Donc en fait, on a préparé un bateau avec Sébastien et toute l'équipe de façon à ce qu'on soit le plus performant possible et en tout cas essayer d'aller décrocher la timbale. Il y a encore du travail, on a largement le temps de s'y préparer, on a les compétences, on a toutes les cartes en main, en tout cas, que ce soit technique ou sportif, pour arriver au top. Une fois équipé de sa quille et de son gréement, Edmond de Rothschild va progressivement goûter à l'ivresse du grand large. D'ici l'automne, il sera fin prêt à s'aligner au départ de la Transat Jacques Vabre, son premier grand test face à la concurrence. Noir, brut de carbone, voilà à quoi ressemblait Edmond de Rothschild il y a encore un mois. Pour le parer aux couleurs de Gitana, le 60 pieds a été livré aux mains expertes d'Hubert Korfmatt et de son équipe. Hubert est un as de la gâchette, et si la déco d'Edmond de Rothschild est aussi belle, c'est aussi grâce à lui. Dans le jargon des chantiers, on appelle cela pétarder. Et pour bien pétarder, il faut bien sûr un bon pétard. Un bon pétard, c'est que quand tu appuies sur la gâchette, ça démarre tout de suite. Ça vaut le coup de suer un petit peu et si le résultat est bon, tout le monde est content. Hubert manie le pétard des deux mains avec la même dextérité. Un avantage indéniable pour aller vite sans fatiguer ni faire de bêtises. Car avec 4 couleurs et des motifs complexes, la déco d'Edmond de Rothschild peut vite tourner au casse-tête. Le pétardage avance à grands pas et à l'aveugle, au rythme d'un savant jeu de masques et de pochoirs, la garantie d'une finition parfaite qui fait depuis toujours la réputation des Gitana. Tu veux, il y a un plexi là normalement, non? Non, c'est un panneau plein. Ah ouais? Ça fait pas aller un bateau vite la peinture, maintenant ça, un beau bateau c'est toujours agréable de naviguer dessus, c'est beaucoup plus plaisant et je suis assez d'accord avec le dicton qui dit un beau bateau c'est un bateau qui va vite. Ne comptez ni sur Sébastien ni sur Hubert pour dévoiler le poids total de la peinture utilisée sur le bateau, secret de fabrication jalousement gardé. Titana 16, c'est une très belle réussite pour moi. Parce que pensent les autres, mais pour moi, c'est une très belle réussite.
C'est l'une des dernières recrues de Gitana. Architecte naval de formation, Armand de Jacquelot est venu renforcer le bureau d'études internes de l'équipe. Ingénieur de haut vol, Armand est aussi navigateur en solitaire. En septembre prochain, il prendra le départ de la Mini Transat à bord de son petit bolide de 6,50 m, version miniature des 60 pieds du Vendée Globe. Une série qui avait marqué les débuts au grand large d'un certain Sébastien Josse. Ce qui me plaît, c'est les bateaux et naviguer dessus et les dessiner, c'est complémentaire. Et ne faire que les dessiner, ça doit être assez frustrant. Et ne faire que naviguer dessus, je crois que ça doit être aussi assez frustrant. On va pouvoir les bricoler, imaginer différentes choses. Et c'est le mélange des deux qui fait que c'est passionnant. Sa passion,